Depuis l'arrivée des premiers musulmans aux États-Unis, deux événements majeurs ont marqué considérablement l'histoire récente du pays et celle de la communauté musulmane américaine. Les attentats du 11 septembre 2001 et l'élection fin 2008 du président Barack Obama. La spécificité américaine réside dans deux groupes assez distincts, en fait. J'allais dire, d'un côté, un nombre très important de convertis à l'islam. La plupart black, African American. Et donc ça, c'est une spécificité très forte par rapport à l'Europe, dans la mesure où il n'y a pas en Europe, dans aucun des pays européens, un équivalent en nombre de convertis. C'est-à-dire qu'on estime le nombre de musulmans américains environ 4-6 millions, les chiffres ne sont pas très précis, et à peu près 40% seraient convertis African American. Donc c'est quand même un nombre assez important. L'autre partie provient de tout le monde musulman. L'islam est une religion indigène pour les États-Unis. En réalité, je dirais même pour les Amériques, à cause du commerce transatlantique des esclaves et par le fait que de nombreux Africains qui avaient été kidnappés et amenés ici provenaient de l'Afrique musulmane. Et bien évidemment, bon nombre d'entre nous ont embrassé la religion musulmane au fil des années. Ce qui fait que l'islam fait partie intégrante de la fibre de la société américaine. En 2013, une nouvelle tour verra le jour à Ground Zero, le site des tours jumelles du World Trade Center, détruite le 11 septembre 2001. Le chantier rappelle chaque jour le profond traumatisme causé par les attentats. Pour les musulmans des États-Unis, comme pour l'ensemble de leurs concitoyens, il y a bien un avant et un après 11 septembre. Je crois qu'après le 11 septembre, il y a eu deux différents types de réactions. Il y avait des gens qui parlaient de manière négative de l'islam et des musulmans, et qui disaient que l'islam avait attaqué le pays. Donc il y avait des gens qui déclaraient que les musulmans étaient dangereux et qu'ils devaient être jetés hors des États-Unis. Et d'un autre côté, il y avait des gens qui se sont rendus compte qu'en fait, la majorité des musulmans n'avaient rien à voir avec cette attaque. Ces gens-là ont compris que cela venait de l'Arabie saoudite, et donc ils n'ont pas considéré les actes de ces personnes comme étant représentatifs de la religion dans son ensemble. En fait, au sein de ces groupes, ce que vous trouviez, c'était une tentative pour essayer de comprendre l'islam. Vous aviez des groupes interconfessionnels entre des synagogues, des églises, des mosquées. Il y avait des portes ouvertes dans les mosquées. Et les gens pouvaient y aller pour apprendre à connaître l'islam. Il y a eu vraiment deux types de réactions. Je sais aussi que l'islam a de tout temps fait partie de l'histoire de l'Amérique. La première nation à reconnaître mon pays, c'était le Maroc. En signant le traité de Tripoli en 1796, notre deuxième président, John Adams, nota ceci. Les États-Unis n'ont aucun caractère hostile aux lois, à la religion ou à la tranquillité des musulmans. Il y a des figures comme ça qui ont émergé comme étant importantes dans la visibilité de l'islam. Malcolm X était une de ces figures. Le boxeur Mohamed Ali était une autre de ces figures. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que du point de vue américain, ils étaient vus plus sous l'angle de la race et de la couleur de peau que de la religion. Et donc, toute la prise de conscience qu'il y a une présence musulmane durable venant du monde musulman, qu'il soit Moyen-Orient ou indien ou pakistanais, c'est après le 11 septembre. I'm a Christian. Je suis chrétien, mais mon père était issu d'une famille kényane qui compte des générations de musulmans. Enfant, j'ai passé plusieurs années en Indonésie où j'ai entendu l'appel à la prière, à l'aube et au crépuscule. Jeune homme, j'ai travaillé dans des quartiers de Chicago où j'ai côtoyé beaucoup de gens qui trouvaient la dignité et la paix dans leur foi musulmane. À Chicago, comme ailleurs aux États-Unis, l'islam n'est pas cantonné à l'espace privé des mosquées.
Il est vécu comme un engagement citoyen au service de l'ensemble des Américains. Un imam a un travail unique ici aux États-Unis. Il n'y a pas qu'une seule façon typique et traditionnelle de comprendre le rôle d'un imam. La raison en est que la mosquée et l'imam jouent un rôle qui répond à tous les besoins de la communauté, et pas seulement de la communauté musulmane. Nous voyons au-delà des services que nous fournissons à notre propre communauté. Nous pensons que nos services devraient s'adresser au public et que tout citoyen américain devrait également en bénéficier. L'islam est un style de vie. L'islam est une bénédiction pour l'humanité, comme le prophète lui-même est une bénédiction pour l'univers. De ce point de vue, nous pensons que dans tout bienfait que nous apportons à l'humanité, nous devons y être pleinement engagés. Dans l'islam, il faut qu'on soit extrêmement honnête dans notre travail, très rigoureux et efficace et excellent. Et d'un autre côté, au niveau extra-professionnel, vous avez la possibilité justement de servir la société en tant que musulman. Il ne suffit pas seulement de prier vos 5 prières par jour, de donner des zakats, mais quotidiennement de faire ce travail rigoureux d'aider, que ce soit dans des organisations, que ce soit de l'aide humanitaire, que ce soit apporter à manger, partager à manger avec son voisin, ses amis, etc. Que ce soit des musulmans ou non musulmans, de s'éduquer. Le premier mot qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été « Iqra ». Iqra, lis, lis au nom de ton Dieu, lis. L'éducation, la connaissance est extrêmement importante, puisque l'ignorance est la pire des calamités pour l'homme.